Grâce au succès retentissant de la série HPI, diffusée sur TF1, dans laquelle elle tient le premier rôle, Audrey Fleurot est au sommet de sa popularité. Alors que la série s'apprête à revenir sur les écrans le 11 mai prochain pour une troisième saison et qu'elle aura même droit à son remake américain porté par Caitlin Olson, l'actrice enchaîne les consécrations. En mars dernier, la flamboyante rousse de 45 ans a notamment été élue comédienne préférée des Français selon un sondage IFOP, réalisé en février dernier et dévoilé dans Paris Match. Deux mois auparavant, elle inaugurait sa propre statue de cire au musée Grévin. Une fierté qui n'en demeure pas moins troublante pour la comédienne, comme elle l'a confié dans les colonnes de Télé 7 jours, en kiosque ce lundi 1er mai, « Je suis à la fois très fière, et encore un peu sous le choc. Je n'avais jamais rêvé d'entrer au musée Grévin, c'est tellement fou. Et troublante aussi », a-t-elle confié avant d'ajouter, « La statue est réussie, mais ça fait un peu peur. Je suis à la fois touchée et un peu gênée. » Supérieure à Audrey Fleurot, l'évolution capillaire de la rouquine incendiaire Audrey Fleurot inquiète à l'idée de décevoir son public dans un entretien accordé à Télé Magazine le 25 avril dernier, la compagne de Djibril Glissant racontait comment elle apprivoisait son succès et cette popularité grandissante. « Être une actrice populaire me touche énormément », avait-elle commencé en réaction aux résultats du sondage qui la plaçait comme comédienne numéro 1 dans le cœur des Français. Ce retour positif, c'est valorisant et ça donne du sens à tout, avait-elle poursuivi, en faisant toutefois preuve de transparence quant au revers de la médaille. Parallèlement est née une peur de décevoir que je n'avais pas avant, avait nuancé la maman de Lou. Le luxe qu'elle apprécie néanmoins grâce à sa notoriété, celui de pouvoir véritablement choisir les projets sur lesquels elle veut travailler, cette notoriété m'apporte aussi une liberté supplémentaire pour choisir mes projets. Pour une artiste, c'est génial. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Koadic Guirec.